À Prague, la situation des réfugiés a pris une ampleur dramatique. Plusieurs centaines d'Est-Allemands se sont réfugiés dans l'enceinte de l'ambassade de la RFA à Prague. On estime que les réfugiés vont continuer à affluer. L'atmosphère était vraiment particulière. On sentait que quelque chose allait se passer. On ne voulait pas prendre de risques car le bruit courait, et ça s'est confirmé par la suite, qu'ils plaçaient les enfants des fugitifs dans des foyers. Le 10 septembre, la Hongrie avait ouvert ses frontières malgré les vives protestations des dirigeants du SED. Mais en Tchécoslovaquie, on nous a dit: si vous voulez que ces gens puissent quitter leur pays, vous devez négocier avec le gouvernement de la RDA. Le ministre fédéral des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher est parti pour New York où il s'adressera mercredi à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous sommes profondément émus face au destin de ces jeunes gens qui, depuis quelques semaines, le cœur lourd, quittent leur pays et leur environnement familier. La question des réfugiés avait pris une ampleur alarmante au cours de l'été. Le jardin de l'ambassade était complètement détrempé, si bien qu'on pataugeait dans une épaisse couche de boue. Les employés de l'ambassade ont fait un travail tout à fait remarquable. Une politique de réforme ouvrirait de nouvelles perspectives pour les citoyens de la RDA et d'autres États d'Europe centrale et de l'Est. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les ministres des Affaires étrangères de la RFA et de la RDA se sont entretenus ce soir dans la résidence du responsable ouest-allemand de la mission de l'ONU. J'avais l'impression qu'il s'efforçait vraiment de trouver une solution humanitaire. Lorsque j'ai ouvert la porte de la résidence de l'ambassadeur Bräutigam pour laisser entrer Oskar Fischer, qui était venu seul, le ciel s'est illuminé de milliers de flashs. La 65e rue était assiégée par la presse du monde entier. Les deux ministres se sont retirés pour avoir un entretien en privé et M. Genscher lui a présenté les solutions qui avaient été envisagées pour cette crise des réfugiés. À ma grande surprise, le représentant permanent nous a annoncé le lendemain matin que c'était la seconde solution qui avait été choisie, c'est-à-dire que les trains de réfugiés passent par la RDA. Je lui ai répondu que s'il en était ainsi, il fallait que j'aille à Prague. Ce soir-là, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Il se passe quelque chose. Partout, on entendait « Genscher, Genscher ». Soudain, un murmure s'est élevé à l'étage inférieur, avant d'envahir la salle, et M. Genscher est passé juste à côté de moi. Nous sommes venus à vous pour vous annoncer qu'aujourd'hui, votre départ...